Nous vous présentons votre info web depuis l'arroseraie du manoir Rouville-Campbell de Mont-Saint-Hilaire. Lundi 15 juillet, voici ce qu'on surveille pour vous. À Mont-Saint-Hilaire, ce sera l'activité Isaac dans son hamac, un kiosque de découverte littéraire, une activité organisée par la bibliothèque Armand Cardinal. Vous êtes donc invité à prendre place sur un hamac, sur une couverture, sur une chaise ou encore sur le pavillon pour consulter livres et revues. Un coin jeunesse sera également aménagé. Cette semaine, c'est la semaine de la valorisation de l'animation estivale. La ville de Saint-Basile-le-Grand tient à souligner le travail des animateurs, animatrices, accompagnateurs, accompagnatrices qui font vivre chaque été aux jeunes des camps de jour une période estivale stimulante et enrichissante. La municipalité souligne encore le rôle crucial des animateurs dans le quotidien des jeunes. Les parents sont donc invités à témoigner de leur reconnaissance à l'égard du personnel. Nouveauté cette année à la bibliothèque de Saint-Jean-Baptiste, il y aura une tente érigée durant 2 jours pour inciter les jeunes au plaisir de la lecture. Vous pourrez d'ailleurs profiter de cette tente dès demain. À Chambly, dans le cadre de la fête du quartier, ce sera l'activité mise au jeu. Jeux d'antan, jeux de société géants, jeux d'habileté, cartes à jouer sont au programme. Mettez à l'épreuve vos réflexes et votre motricité pour relever des défis à votre taille. Ce soir, à la programmation de TVR9, 17h30, rencontre, 19h30, le régional et 23h, vie municipale. Sur ce, on se donne rendez-vous demain pour un autre InfoWeb.